Cette semaine, au Hall des Sports Paul Chanson de Pointe-à-Pitre, se tiendra le Skills and Challenge Basketball Camp. La 9e édition de ce stage de basket permettra aux jeunes de Guadeloupe, filles et garçons, âgés de 6 à 20 ans, débutants ou confirmés, de préparer leur prochaine saison. On avait vu qu'il y a pas mal de jeunes quand à l'époque on travaillait avec Rodrigue Beaubois, qui est rentré en centre de formation à Cholet Basket. On avait vu que pas mal de jeunes essayaient de rentrer, n'y arrivaient pas, ou certains qui arrivaient avaient du mal à rester au bout d'un an, deux ans, se faisaient couper. On s'est dit, on va venir avec de la qualité, on va leur apprendre à travailler, on va leur montrer ce qu'on attend d'eux en centre de formation, comme ça ils auront déjà une idée de ce qu'ils doivent travailler pour y arriver après. Donc filles et garçons, ça c'est important, vous avez pu voir, il y a des enfants, on commence dès 6 ans jusqu'à 20 ans. Le staff progresse, hein, c'est l'expérience, plus on vient, plus on s'habitue au système, on s'habitue aux façons de faire, mais l'idée même n'a pas changé en elle-même. Hein. Nous on reste sur du Skills and Challenge, c'est le nom du camp, c'est vraiment leur donner vraiment beaucoup de bases, travailler les fondamentaux, les faire progresser là-dessus. Il y en a qui viennent de l'Hexagone, on les a vus, ils sont au moins 5 je crois, qui viennent directement de l'Hexagone. Et sinon ils viennent de toute l'île, hein, du nord, du sud, voilà, il n'y a pas que des Pointois ici. Le camp se résume en un stage pratique de 6 jours qui a pour vocation de développer la technique, la dextérité, les fondamentaux du basket, mais aussi la préparation physique. Le but recherché c'est de redonner des fondamentaux ou de donner de nouveaux fondamentaux aux enfants. Et moi, je suis là pour la condition physique, donc j'essaie de leur inculquer les bases athlétiques qui vont leur permettre dans les prochaines années, j'espère, de pouvoir faire du haut niveau. Ce qui est intéressant dans ce camp, où il y a différents âges, c'est qu'on peut intervenir sur la notion d'effort. La notion d'effort qui va être liée à toute leur carrière, et donc leur donner cette envie de travailler, et travailler avec des grands, et travailler dur, et ben, ça va être très important. Donc pour eux, ben, leur donner des petites bases, ce n'est pas quand même la grosse condition physique de l'athlète de haut niveau, mais c'est surtout cette notion d'effort. Pour cette semaine de stage, on attend d'améliorer nos compétences, c'est-à-dire que ce soit sur le plan technique ou sur le plan physique, et c'est surtout ce qu'on attend nous. Moi j'attends des compétences physiques, progresser. Ça va, on gère un peu comme on est un peu habitué, vu que dans notre club on joue en même physique. On fait beaucoup de physique et on joue cadet, junior et senior, donc on connaît un peu ce terme-là en physique. Il se terminera en apothéose par un match de gala ouvert au public, mettant en scène ses invités de marque, joueurs NBA, Pro A et champions régionaux.